so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Allez, on est au lac de Vasivière et là on va vraiment essayer de chercher du brochet, de la perche, du cendre. Il y a un petit peu de vent, mais ça risque d'être sympa parce que là on a les bonnes conditions pour faire du brochet. Il y a pas mal de poissons, que ce soit cendre, perche, etc. Donc on va essayer de s'amuser. Tant que la météo reste comme ça, tout va bien. Alexis vient de nous faire un cendre, on n'a pas pu filmer. Il y a quand même un peu de monde, hein. Il y a du monde encore là-dessous. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. Matin du 7e jour de notre road trip. Hier, comme vous avez pu le voir, ça a été une journée compliquée. Donc là, on est parti direction la Charente. On a déjà fait une partie de la route, on arrive bientôt. On va pêcher la rivière à truite. Clairement, c'est l'objectif, faire une grosse truite. Et ensuite, on verra. La météo est pas terrible. Il pleut. Mais on va essayer de faire du poisson, au moins de s'en sortir à peu près, de pas faire un capot. C'est l'objectif. Parce que hier, carnassier nul, truite nulle. Ça voulait pas. On verra bien. On n'a pas les conditions de lune qu'il faut. Niveau pression, c'est un peu n'importe quoi, mais on espère que ça va quand même toucher. Bon, allez, on finit la route et on se retrouve là-bas. Allez, on est en flotte. J'ai pas allumé la GoPro tout de suite parce qu'il pleuvait les cordes. C'est pas la peine. Alexis a quand même réussi à faire un poisson. Moi je fais sur un brochet. On est sur la Charente, donc en Charente tout simplement. Et puis on va essayer de prendre un fichu ou deux dans les bordures. Alexis en a pris un petit brochet au spinner en bordure. Il a pas pu filmer, mais on va essayer de s'amuser. Yes, premier poisson au crank. Oh, elle me fait peur, elle. Avec ça, comme ça. Je la tiens pas bien. Voilà. Premier poisson pour moi de la Charente. Une perche au crank. Je venais de mettre le crank. Boum, une perche. Allez, amène-moi tes copines. C'est bon, t'as récupéré ton leurre. T'avais skippé trop loin, ouais. À la descente, il t'a pris. C'est un petit pike. On va faire une petite photo. Ouais, ils ont les watts, hein. À la descente, ouais, j'ai vu ça. Merci. Ouais, là c'est le triple en dessous. Il se met à pleuvoir. Hop, Alexis fait un petit fiche, un deuxième. Je filmais pas, mais. Voilà, premier poisson au Dexter acheté avant-hier. Il
se met à bien, bien pleuvoir. Tu veux une petite photo ou pas? Hop là, bah non, pas de photo. Ce sera juste à la GoPro. À la descente, comment il t'a chopé? Ah oh ouais. Ferrage de bassiste, là. Boum. Waouh, il passe pas. Oh, comment il l'a explosé. Il faut bien à la descente là. Là ouais, il a ouais. Bien sur le fond en fait. Ok. Il pleut, il mouille. De quoi? S'il pleut ce soir pour faire la boue, tout ça. Non, il n'y en a pas de cul, t'as regardé la météo. Regardez ça déjà. Hop là. Ah ouais, s'il y a un effet là. Ouais. Je suis presque sûr que c'est des brèmes. Oui, c'est sûr. Parce que des rotangles, c'est pas plat comme ça. C'est grave, je les ai bien vus, c'est grave. Hop là. Qu'est-ce qui est foutu en surface? Non, elles ont fini. Aujourd'hui, on a fait toute la route depuis la Charente jusqu'ici. Là, on n'est pas très loin de Bordeaux. On est à l'étang d'Ourthain. L'étang d'Ourthain. Enfin, lac, c'est un grand lac déjà. Ça fait déjà plus de 500 hectares. Donc il y a du potentiel, donc lac type lac landais, avec beaucoup de brochets, beaucoup de perches, dont des très très grosses perches, 50 facilement, et des très beaux brochets, mais surtout du nombre, donc c'est là où on va s'amuser. Il fait très chaud, il fait grand soleil, c'est pas forcément le meilleur moment pour pêcher, mais on va se faire le coup du soir aussi, et on va aujourd'hui, je pense que c'était au début d'après-midi, on va se chercher vertical, et on va essayer de faire quelques poissons. Allez, c'est parti. Hein? Ouais. Poisson. Ah, je les décroche toutes. Ouais, elles sont au fond. Ah, je viens de faire un petit brochet à la lame. Hein? Heureusement que c'est stable la flotte, ouais. Pourquoi elle nage plus ma lame? Qu'est-ce qui m'a fait se brocher? Ah, c'est juste qu'elle est emmêlée. C'était une saucisse. Poisson! Oh, c'est petit! Tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. De quoi? On dirait les leurs articulés, ouais. C'est un swim pike que j'ai fait. Mais regardez. Voilà, ça veut dire dégage de mon territoire. Voilà. Bah si, un petit peu, mais enfin les gros, non, ça c'est sûr. Ah, il avait dit qu'il y avait beaucoup de petits, ouais, mais petits à ce point quand même. J'ai pas envie de le sortir trop de l'eau, le pot, je vais trop l'abîmer. Je vais essayer de le décrocher sans lui faire trop mal. Ouais, je vais devoir le prendre. Mais comme ça glisse beaucoup ces petits poissons,
c'est très fragile. Hop. Tac, regardez ça les gens. Hop là. Je l'ai pas trop abîmé ça. Il m'a même fait une chandelle en partant. Allez, là on va se faire un petit coup du soir. Sur le lac où on était tout à l'heure, on a mangé, tranquille. Il est quoi, il est 20h? Un truc comme ça, on va faire 2 heures de pêche. Je vais les mettre. Ah oui, faut que je les mette. Putain, avec tout le sable. Ça c'est agréable. C'est bien mouillé. Ça va faire du bien aux pieds tout ça. Je vais les mettre où je les mets sous la voiture. Ça m'a amené voler. Tac. Voilà, on est sur l'eau. Alexis, il a fait le premier, deuxième lancer, je crois. Il a déjà eu des perches qui ont essayé de choper son stick, donc il met un teaser. Il a 20 perches à faire pour arriver au 100 pendant le road trip. Je pense que demain, il va largement les faire. J'espère. Donc là, il va déjà entamer son objectif de 100 perches. Moi, je suis un tout petit peu au JRC manière 2. Je vais passer avec un stick bait. Parce que même si c'est pas forcément ce qui prendra le mieux, juste pour la beauté de l'attaque, et on a beaucoup plus de chances de faire un poisson au stick bait là que chez nous. Donc on va en profiter. On va en profiter. Et on va essayer de faire un poisson ou deux. On verra comment ils réagissent. On a 2 heures devant nous. Un peu moins, 1h30, à peu près. Nothing can break me.